rend public une vidéo côté l'étape posée un présumé membre d'un groupe gang question et par la suite et selon toute information yo il a pris passer à exécution et bien citoyen ça que tout le monde connaît sous nom Zo Poisson et bien action ça pas de quitter indifférent ensemble de secteurs dans vie nationale là pas de quitter indifférent population civile là il pas de quitter indifférent tout des organisations de droits humains notamment fondation J'éclairé nous connaît qui était monté au créneau pour te dire que c'est en violation flagrante de droits humains donc il pas normal même le yon moun li ta capable contravention avec la loi une fois qu'au fin maîtriser donc c'est rapide vite mettre le disponible pour la justice et puis permettre que le passer devant un juge et prononcer sentence li à partir d'un jugement qui fait normalement gens procédure même yo tracé ça et bien après un pile silence donc ministère de la justice et de la sécurité publique les mêmes li intervenu par le biais de communiqué de presse en date du 19 juin 2022, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique s'est dit préoccupé par les pratiques menaçant la paix, la sécurité publique à Miragouane. Par conséquent, une commission a été formée pour enquêter sur les faits et son rapport est instamment attendu. Le gouvernement est finalement sorti de son mutisme sur les pratiques du commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadin. Si bon nombre de citoyens ont affiché leur soutien aux représentants de la loi, pour le gouvernement haïtien, ces pratiques menacent la paix et la sécurité publique. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, justement préoccupé par certains faits et événements menaçant la paix, la sécurité publique et préjudiciable aux droits et libertés des citoyens dans le pays et plus particulièrement à Miragouane, peut-on lire dans le communiqué de presse du dit ministère ce dimanche. En parlant de dimanche dernier, le ministre a pris le soin de ne pas citer le nom du commissaire Jean-Ernest Muscadin. Par conséquent, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a décidé de la formation d'une commission spéciale chargée de faire le jour sur cette importante question. Le rapport circonstancié de cette commission, déjà à pied d'œuvre, est attendu instamment pour les suites nécessaires, ajoute le communiqué. Deux individus tués hier, parlant de dimanche toujours, par Muscadin et le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Miragouane, Jean-Ernest Muscadin et son équipe, ont abattu deux autres individus présentés comme des criminels. Ils ont été arrêtés dans la localité de Saint-Michel, à Miragouane, dans un bus en provenance de Port-au-Prince et identifiés comme membres du gang 5 secondes opérant à Village de Dieu. Lors d'un contrôle de routine sur un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Jérémy, ces derniers répondent au nom de Jules François, alias Pimanchin, et Rodrigue André, d'après les informations fournies par le commissaire dans une conversation avec le journal Gazette Haïti. Ce dernier agissement représente vraisemblablement le dernier goutte d'eau qui a fait déborder le vase, obligeant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à réagir. Toutefois, le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Miragouane bénéficie d'un élan de soutien d'une bonne frange de la population. La semaine dernière, des habitants du département des Nippes ont foulé le macadam pour émettre une mise en garde aux autorités étatiques contre toute pratique visant à éjecter le commissaire Jean-Ernest Muscadin. Entre-temps, les organisations de droits humains ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les agissements de Jean-Ernest Muscadin qu'elles jugent non conformes aux normes. Muscadin a même menacé de procéder à l'arrestation du responsable de FJKL, Marie-Hélène Gilles, pour avoir critiqué ses pratiques et demandé sa révocation. Pendant ce moment, nous te font parler sous CASA à travers l'émission Intersection, parce que nous te posé problème dans tout. D'abord, sous plan légal, mais ensuite tout. Et nous te font approche sociologique de questions. Nous te dit pour qui ça et Muscadin lui-même les bénéficier
de sympathie population, c'est parce que nous pas gagné yon l'État qui répond à mission première, li, qui s'est protégé, qui s'est sécurisé, vie ak bien responsable. Donc on a comme l'impression que population elle-même li livrée à elle-même. Donc yon toujours prend pour sauveur, toujours prend pour bon Dieu, un monde qui est capable un bien contribuer dans bayou ti mosou la paix, puisque nous connaît même j'ai avec moi depuis un certain temps pays a li dirigé par des groupes armés, des gangs. Parlant de gangs, gagnent et Vite l'homme, chef gang Vite l'homme innocent, eh bien lui-même qui était frappé puis la tête lundi matin, nous tous songez ça. Le caïd Vite l'homme innocent a mis à exécution ses menaces de faire régner la terreur à Pernier et ses environs 72 heures après son ultimatum lancé au gouvernement de facto. Des tirs nourris ont troublé le sommeil des résidents de Fatima, Torcel, Tabar et d'autres localités limitrophes. Des images d'un véhicule en flammes et des hommes lourdement armés défilant à moto et de membres de la population civile tétanisés étaient devenus lundi de très tôt viral sur les réseaux sociaux. Des bandits armés ont dégainé leurs armes et provoqué la panique à Pernier et dans la communauté environnante. Pour l'heure, il est difficile d'établir un bilan de la situation de trouble. Néanmoins, des témoins font état d'au moins deux véhicules incendiés par les criminels. À Pernier, la présence policière a toujours été un sujet de grand débat. En dépit d'un sous-commissariat établi dans la zone, les gangs perpétuent leur forfait contre la population civile. Des cas d'assassinat, de vol, de viol et d'enlèvements sont souvent dénoncés dans cette localité rattachée à la commune de Pétionville. Le comportement de Vite l'homme innocent traduit l'indifférence des autorités policières. Vendredi, sur les ondes de Radio Méga, dans une tentative de réhabilitation médiatique, le criminel allié des 400 Maozo a mis les autorités politiques en garde contre tout refus de négociation. Il a promis de mettre la zone de Pernier à feu et à sang au cas où il ne serait pas impliqué dans les initiatives de ramener la paix et la tranquillité. Au moment d'éditer ces lignes, les examens officiels du baccalauréat ont été fortement mis à l'épreuve de la terreur, révèle un habitant de Pernier. Voilà, parce que nous toutes, Welly, qui a fait l'aviron de réseaux sociaux, eh bien, Vite l'homme lui-même, après le fin de la conférence, et que nous avons eu la chance de nous-mêmes garder quelques extraits sur réseau, après le fin intervenu tout sur Radio Méga, dans le cadre émission Boukanti la parole, eh bien, il était accordé un délai de 72 heures à l'autorité pour impliquer dans la négociation qui visait, eh bien, à faire établir la paix au niveau de Torcel, au niveau de Pernier, avec l'autre zone qui est sous côté lieu. Eh bien, et monsieur, ça n'a pas de printemps pour passer de la parole aux actes. Donc, lundi matin, bien bonheur, eh bien, monsieur a déployé toute salle gagnée comme arsenal, il a déployé toute salle gagnée comme soldat, eh bien, pour simuler la terreur au niveau de Pernier. Yo dit m'gan pile moun qui courir quitter la caillou, gien pile moun c'est sous vente, yo couché, gien pile moun et qui yo même al dormi devant porte caillou alors que yo gagné caillou qui fait te fourni que yo redi construit, que yo redi aménagé, mais malheureusement et bien gang à exam fait partie et courir quitter caillou ma des pieds, ça yo manger yo pas bali. Dans même semaine ça t'ai gagné plusieurs autres informations qui t'ai dominé actualité à l'échelle locale. N'a gagné pour nous venir sous yo momentanément et j'en souhaite dire à l'instar de communiquer ça que le ministère de la justice et de la sécurité publique lui-même lui fait sortir pour annoncer création d'une commission qui déjà travaille. Eh bien, pour regarder qui ça et situation est au niveau de Miragouane avec le cas Muscadin. Donc, commission, ça, n'a pas tant qui ça rapport après elle dit. Est-ce qu'effectivement, elle va faire droit à demande RNDDH là, qui m'a dit pour révoquer, eh bien, commissaire gouvernement Miragouane, ou bientôt, est-ce que il y a permettre que population lui-même lui gagne et bataille ça, pour que ça me dit ça, parce que nous songer gagne plusieurs dizaines de personnes qui étaient à rue pour t'exprimer solidarité à commissaire Muscadin au niveau de Miragouane. Donc nous t'ai dit ça dans l'émission Intersection pendant semaine là. Donc c'est parce que l'État absent, c'est parce que l'État pas existé, c'est parce que nous non république bananière, nous non anarchie totale, côté que la loi
sous côté toute institution qui l'a tout pour ta faire appliquer la loi yo même yo craser plate à terre depuis pratiquement eh bien 2 ans dans pays a nous sans institution ça yo donc c'est peut-être une raison qui fait que nous capable garder grand pile monde ici tant que l'autre bord de l'eau en pile monde dans ville province yo même yo dit bay au muscadin et gen même côté même ouais moun yo a parlé yo dit si yo ta gagne 10 muscadin comme ça en dans pays a donc c'est certain yo ta capable et là l'on souffle nous autres ici a c'est pas parce que n'a fait promotion pour ça n'ta capable les violations droit monde parce que même si moun nan li même li sont présumés bandits même si moun nan sont criminels li sont voleurs mais automatiquement ou fin kembe li comme autorité donc ou gagner poursuivre ça la loi dit parce que dans cadre état de droit tous les hommes tous les citoyens sont égaux devant la loi mais attention nous bien dit dans cadre on état de droit et nous autres ici à nous te fait on tire à l'est sur question état de droit notamment hier pour nous dire est-ce que ici là nous gagnons état de droit l'en considérer et depuis un certain temps là même l'état li inexistant nous gagnons simplement des figurants et bien qui pote titre autorité cap toucher l'argent l'état cap rouler machine blindée machine gros figu et puis pile sécurité ti ménage à gauche à droite etc. Nous connaissons tout gagnant et 20 juin qui était journée mondiale des réfugiés. Donc dans contexte ça tout gagnant République dominicaine, gagnant les États-Unis d'Amérique qui dit yo c'est gros amis pays d'Haïti et ben yo fait et plusieurs rapatriements. Voyons paquet haïtien tourner là. Pimpé yo vini malgré yo connaît condition et yo malouk pa bo ici que ce soit condition et sécurité yo que ce soit condition humanitaire yo mais ça pas empêcher que pendant clair on est tout côté aux ses amis nous mais yo voyez haïtien ça yo tourner quand même et bien dans occasion journée mondiale des réfugiés gen au PC qui te mandé pour pays yo qui dans région tant pri souple suspend pimpé haïtien yo tourner comme ça dans n'importe condition à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés ce lundi 20 juin 2022 l'office de protection du citoyen OPC attire l'attention des gouvernements des pays de la région sur la nécessité de ne pas refouler dans leur pays d'origine des ressortissants dont leur vie est exposée et leur liberté est menacée l'organisme dirigé par Maître Renan Edouville, les appels à cesser les déportations massives des Haïtiens en quête de bien-être et de sécurité. Le droit de demander d'asile est le thème sous lequel est commémorée la Journée mondiale des réfugiés. Ce lundi 20 juin 2022, l'OPC en profite pour demander au gouvernement de la région d'agir en dehors de toute forme de discrimination envers les hommes et les femmes voulant se réfugier dans leur pays en vue de protéger leur vie et de garantir leur sécurité. L'Office de protection du citoyen OPC, institution étatique et indépendante de promotion et de protection des droits humains en Haïti, encourage les gouvernements de la région à remplir sans discrimination aucune leurs obligations internationales au regard des droits de l'homme et celui des réfugiés, conformément aux dispositions de la Convention de la Genève relative au statut des réfugiés adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 juillet 1951, a indiqué l'OPC dans un document publié ce 19 juin 2022. Par ailleurs, l'OPC dit noter entre autres que pour la période allant de septembre 2021 à mai 2022, environ 26 000 Haïtiens sont refoulés des États-Unis d'Amérique, près de 9 000 autres déportés de la République dominicaine pour le mois de mai uniquement. Dans ce document,